réalité de l'eau est vraiment catastrophique. Parce que on prend plus qu'une heure de temps pour joindre un petit goût de l'eau pour boire et même pour bailler bête. Éviter citoyen dans entourage Bello ak moun k'ap viv nan localité sa, courir plusieurs kilomètres pour joindre l'eau pour fonctionner, c'est principal objectif projet sa qui lancé mercredi 29 juillet en présence plusieurs autorités locales ak citoyen nan localité Bello. Nan cadre projet sa, Dinepa à travers Oripal Ouest ap gen pour construire 3 citernes k'ap gen capacité pour stocker 40 mètres cubes l'eau ak youn k'ap gen yon capacité 20 mètres cubes. Le travail sa ou fait suite à une demande de population que Direction nationale de l'eau potable à travers directeur général là t'a décidé respecter engagement li pour capable permettre que moun ki nan localité sa bénéficie de yon alimentation en eau dans des conditions et sanitaires qui correct et acceptable. Depuis 2017, c'est des travaux qui lancent que Dinepa fait en pile insistance pour que nous arrivions à phase ça qui joue aujourd'hui, qui c'est phase exécution. Donc nous avons plusieurs réservoirs qui pourraient construire dans la zone, qui pourraient alimenter à travers des toitures dans la zone, puisque présentement Dinepa n'a pas gagné des captages qu'il fait dans la zone. Mais ça c'est une première phase, nous avons partie de notre travail que Dinepa a identifié dans la zone pour faire. Qui pral alimenter à partir de 3 heures. Donc, là, nous disons pratiquement des réservoirs de 40 mètres cubes et de 20 mètres cubes. Massillon Jean, qui est magistrat commune Kenskoff, félicite et puis remercie responsable d'Inepayo pour projet ça qui pral permettre moun nan localité Bello râler en souffle. Et nous remercions d'Inepa ensemble avec Orepa qui mettait tête ensemble pour permettre que Jodia yo atterri nan commune nan, plus spécifiquement nan Bello, dans le cadre de lancement activité qui permet que yo construit citerne communautaire pour moun nan Bello qui était dans grand besoin. Et moi pense que c'est un support que yo vinn ba nous dans communauté a parce que c'est nous même en tant que administration communale qui pour ta chercher moyen pour ta capable voler au secours de population qui dans grand besoin et nous accueillir avec bras ouverts projet ça et nous promettre n'a tout support nous pour permettre que projet ça réussisse. Dans l'idée pour augmenter et puis permettre plus moun nan commune Kenskoff continuer joindre l'eau Dinepa à travers Office régional de l'eau potable et assainissement l'Ouest a bien pour démarrer ak yon série projet captage dans commune nan. Gen travail qui va être fait. Et m'te pi kwa de travail sou ki pri sa yo di a ki ka commencé. Nous gen par exemple une nouvelle tourelle qui mon ki konn sou Saint-Louis. Li va le fait. Nous va capter. Gen Lamar, gen Nicolas, gen Kajak. Dans le sous-sol, nous avons l'École nationale Fussy. Dans le grand fond, nous avons démoulé avec bois, Kaya. Et dans le bon cas, nous avons dit l'eau avec ma douceur. Ça, nous jouons moyen déjà. C'est Banque Interaméricaine Développement, BID, qui a financé le projet. Le travail construction, citerne, ça, doit arriver dans le bout de mois de décembre 2020.